Nous sommes mercredi et c'est l'heure des informations sur votre télévision, la télévision de la famille. Au sommet de ce journal, le Burkina Faso, dans sa quête d'autosuffisance alimentaire, prône depuis maintenant plusieurs années la production des semences améliorées certifiées qui diffèrent des semences de tradition ou des semences de base. Afin de mieux comprendre le concept des hommes de médias, en collaboration avec l'Union nationale des coopératives des producteurs sémenciers, ont sillonné quelques régions du pays du 5 au 9 octobre dernier. Et puis, élection présidentielle aux États-Unis, l'heure est au dépouillement et Donald Trump compte déjà contester les résultats s'il ne passe pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. La coordination des comités de suivi des mandatements a tenu un point de presse pour décrire la situation où le ministère en charge de l'enseignement est mis en cause. On voit cela avec Odette Zwangina. Pendant que les partis politiques sont en course pour séduire et conquérir de potentiels électeurs, les voix continuent de monter au niveau des associations et structures syndicales. C'est le cas de la coordination des comités de suivi des mandatements qui, visiblement face à la presse, expriment leur mécontentement vis-à-vis du MENA-PLN sur la question du mandatement. Le gouvernement a pris un engagement avec la CNCE disant que Ils vont mandater les nouveaux recrues, les nouveaux sortis, les nouveaux agents au plus tard un mois, les dates d'intégration. Et ça nous fait maintenant 3 mois que nous attendons. Et ce n'est pas, on n'a pas d'informations claires, on n'a pas de situation claire que nous serons mandatés en fin novembre. Donc c'est une situation qui est tout à fait anormale. Et nous attendons que les autorités du MENA-PLN nous mandatent dans de meilleurs délais. D'autant plus que le fait que nous attendons, c'est au détriment des établissements qui manquent de personnel, qui manquent de professeurs, qui manquent de personnel vie scolaire. Donc c'est de cette situation, nous attendons que le MENA-PLN nous mandate dans de meilleurs délais. La détermination et l'engagement sont les maîtres mots qui caractérisent l'état d'esprit des conférenciers du jour. Outre les rassemblements qui pourraient être un recours et pas les moindres pour contraindre les autorités à se pencher sur les cas, la coordination attend mûrir davantage les réflexions afin de poser des actions fortes pour une satisfaction effective de leurs revendications. Voilà, je vous annonçais en titre la production des semences améliorées certifiées. Plusieurs agriculteurs en font désormais leur gagne-pain. Sous initiative de l'association Agriculture et Médias, en collaboration avec l'Union nationale des coopératives des producteurs sémenciers du Burkina Faso, une caravane de presse a été organisée afin de permettre aux hommes de médias de toucher du doigt les réalités de cette activité. Le centre nord, la boucle du Moun, les hauts bassins et le sud-ouest ont été sillonnés par la dite caravane. On voit cela dans ce dossier. Le secteur agricole au Burkina Faso connaît une expansion depuis ces dernières années. Semences améliorées et certifiées se rencontrent dans les exploitations agricoles à travers le pays. Riz, niébé, sorgho, mil. Des hommes de médias, à l'occasion d'une caravane de presse, ont pu constater la production de ces semences améliorées. Centre Nord, Boucle du Moun, au bassin, Sud-Ouest sont les régions arpentées lors de cette excursion. Déjà à l'entame de l'activité, à la ferme agricole de Lumbila, le président de l'Union nationale des coopératives des producteurs sémenciers du Burkina Faso a salué l'initiative tout en soulignant les avantages de la production des semences améliorées pour un pays tel que le nôtre en quête d'autosuffisance alimentaire. Vous savez très bien que tout commence par la semence. Il vit également la place que la semence occupe dans la productivité agricole. Il va sans dire que c'est normal que nous puissions approcher vraiment ceux qui véhiculent les informations pour qu'ils puissent mieux connaître notre activité. Cette année, que le Covid-19 est venu nous rappeler à quel point chaque pays doit vraiment travailler au-delà de la sécurité alimentaire, mais c'est sa souveraineté alimentaire qui est vraiment très importante. Donc vous avez vu, il y a des initiatives, 1 million de tonnes de riz, etc., qui sont des initiatives louables, bonnes,
Mais comment on fait pour arriver à là? Comment on fait pour avoir des assises assez solides en termes de semences et de qualité pour pouvoir atteindre ces résultats? Depuis 2006, le Burkina Faso s'est doté d'une loi nationale encadrant la production des semences certifiées et le président de l'Union de revenir sur les bienfaits de cette loi. Mieux, et le Burkina avait déjà une loi nationale qui encadre vraiment la production semencière depuis 2006, qui, à partir de 2008, il y a une loi harmonisée sous-régionale. Alors, la différence, c'est vraiment les questions des rendements. Il y a les questions de rendement, il y a les questions également de pluviométrie, des besoins en eau. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des variétés de riz qui sont créées, qu'on peut produire hors périmètre. C'est ce qu'on appelle les variétés de riz pluvial strict, qu'on sème comme le maïs, comme le sorgho. Par exemple, ça, c'est le travail de la recherche. Selon Amado Sebogo, producteur dans cette ferme agricole de Lumbila, cette activité est très rentable dans la mesure où il s'en sort avec plusieurs millions de francs CFA comme bénéfice, lui permettant ainsi de subvenir correctement aux besoins de sa famille, chose qui lui était pratiquement impossible auparavant malgré une excursion en Côte d'Ivoire. Dans la ferme ici, ils ont produit plusieurs variétés. Ils ont produit sorgho, Sariasso 11, 17 hectares. Ils ont produit encore sorgho toujours, ce qu'on appelle les variétés flaillons. Ça c'est aussi c'est 17 hectares. Ils ont produit les sésames, 6 hectares. Et en même temps, les niébé, 6 hectares aussi. Par exemple, pour moi, si quelqu'un qui me dit il faut venir, qu'on va t'embaucher au moins 200 à 250 000 francs par mois. Bon, je ne peux pas les citer, mais je peux les dire que bon, je ne voulais pas. Moi, j'ai deux enfants qui sont à l'université. C'est moi qui les fait tout payer. Il n'y a pas de problème. Quand je suis venu en 1990 en Côte d'Ivoire, là, moi, je n'avais même pas de parcelle dans notre chef-lieu de la région. C'est l'agriculture qui m'a fait comme ça. À quelques encablures de la ville de Kaya, Ali Doukiem Touré fait le même constat de satisfaction. Le gouvernement rare, Pisini, 440, là-bas, rare. Bon, là-bas, il y a 400 ans, Tafo, Sangilandi, 400 ans, Nangilani. Bon, ils ont des migrantes et sont ensemble. Sésame, sorgho, riz, niébé se portent bien selon le technicien affecté à cette sortie avec les hommes de médias. Et le spécialiste de revenir plus explicitement sur les méthodes de suivi de la production des semences améliorées au Burkina Faso. Au niveau des outils de contrôle, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter dans la conduite même de la parcelle de production des semences. D'abord, il y a une phase administrative qu'il faut remplir, c'est-à-dire que le producteur même doit être inscrit et il doit avoir un numéro d'inscription en tant que producteur qui est unique à lui. Également, après ça, il doit remplir un certain nombre de conditionnalités, telles que l'acquisition de la semence de base auprès de l'INERA. Et également, il doit pouvoir déposer, par exemple, des déclarations de culture pour dire que cette année, j'ai l'intention de produire telle ou telle spéculation. À l'issue de ça, il doit payer des redevances, okay, au niveau de l'État. Et c'est après maintenant le paiement de ces redevances que la phase de contrôle se passe sur le terrain pour vérifier est-ce que la semence que le producteur a pu acquérir est vraiment de bonne qualité, est-ce que cette semence a été acquise au niveau de l'INERA. Et après ça, par rapport à l'itinéraire technique de production de l'espèce et de la variété donnée, il y a un certain nombre de critères tels que l'isolement. Voilà. Donc on va regarder l'isolement, il faut voir sur la parcelle est-ce qu'il y a des autres types, des plants qui sont différents des autres. Donc, le technicien est là pour ça. Après constat et selon le spécialiste, une semence est dite améliorée lorsqu'au moins une des caractéristiques de sa variété présente des performances supérieures à celles des variétés traditionnelles. Des performances palpables aussi dans les bourses et les greniers des producteurs. Suite à de cette édition, le balai des lancements des activités commémoratives du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été donné par la région ecclésiastique de Nongromasm avec un budget de plus de 13 millions de francs CFA. La coordination régionale envisage plusieurs activités dont l'essentiel tourne autour de l'évangélisation. Plus de détails avec Gédéon Tapsoba, Odette Zwangina.
En mars 2021, l'Église des Assemblées de Dieu fêtera exactement ses 100 ans d'existence au pays des hommes intègres. Ce centenaire marque une étape importante dans la vie des fidèles de façon générale et des organisateurs en particulier qui ambitionnent de mettre les bouchées doubles pour la réussite des activités commémoratives. Ce 1er novembre 2020 marque une étape décisive, à savoir c'est l'attrait au lancement des activités au niveau régional. Et c'est le conseil régional de Nongromasom qui ouvre le bal avec ce culte de lancement. Une fois de plus pour l'enfant des activités du centenaire. L'étoile est bonne pour ceux qui en France, ici tu es un roi, mais roi car tu as trouvé le tabac, on a des tours là, il y a certes, vous avez d'autres occupations. Il y a si là, il y a un tout le temps, il y a tourné ici. Mais vous êtes là vraiment pour marquer vraiment votre intérêt de reconnaissance envers le Seigneur. Pour mener à bien le calendrier établi où l'accent est mis sur l'évangélisation, la région de Nongromasom a mis en place un comité de pilotage d'une dizaine de membres avec à sa tête le pasteur Jonas Sawadogo. Par rapport au centenaire 2021, du 25 au 31 janvier, nous avons la célébration dans toutes les églises locales. Et deuxièmement, c'est en mars. À partir du 15 février, nous commençons l'évangélisation intitulée « Nongromasom pour Christ » dans la perspective de gagner tout Nongromasom, que chacun entende l'évangile. Et la dernière phase, c'est du 8 au 14 mars. Et ça, c'est une semaine de célébration. Nous commençons avec l'ouverture, une conférence pour les sœurs. Nous avons également un enseignement sur les trois R. Réforme, réveil, rayonnement. Ensuite, nous avons hommage aux pionniers et nous avons le grand concert que nous avons intitulé Louange et Adoration, de concert avec les sept régions de Ouagadougou pour terminer le dimanche 14 comme la journée de célébration à la gloire de notre Dieu. C'est un programme détaillé et alléchant qui a séduit plus d'un, dont le chargé de l'organisation des célébrations dans les régions et au niveau national. L'église de Nongromasom a travaillé à bâtir un programme pour pouvoir célébrer les 100 ans de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est une joie parce que nous voyons qu'ils ont impliqué toutes les églises locales, ils ont impliqué tous les chrétiens, de telle sorte que partout, durant la période, à commencer de janvier jusqu'à mars, il y aura une plénitude d'activités. Des activités dont l'objectif est de transformer les vies des frères et des sœurs, mais aussi de sauver beaucoup d'âmes. Et j'ai vu qu'ils ont prévu beaucoup d'activités pour le salut des enfants. Et c'est une joie pour nous, en tant que comité d'organisation, de pouvoir voir qu'on a mis l'enfant au centre pour que le salut atteigne l'enfant pour les générations à venir. Pour l'heure, le pasteur Benjamin appelle à une réforme des différentes voies des fidèles pour un réveil véritable à la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. À noter que la coordination régionale d'organisation du centenaire de Nongromasom a prévu un budget de plus de 13 millions de francs CFA. La somme des 7 millions de francs CFA est allouée à l'évangélisation, rentrant ainsi en étroite ligne de l'objectif principal du centenaire qui est de propager l'évangélisation. Et nous ouvrons aussitôt la page de l'actualité hors de chez nous. Les autorités françaises annoncent avoir mené une opération d'ampleur vendredi dernier contre un groupe djihadiste au Mali, dans laquelle une cinquantaine de combattants auraient été tués. Paris renouvelle son soutien aux forces maliennes dans leur lutte contre les groupes terroristes. La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est rendue à Bamako ce lundi pour rencontrer les autorités de transition. Elle est aussi revenue sur une opération dans laquelle au moins 50 djihadistes auraient été tués. Je voudrais révéler une opération d'une grande importance qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane, et qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes, soit l'équivalent d'une katiba, alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Ce succès tactique montre une fois de plus
que les groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à nos forces. L'unité du groupe Ansarul Islam, basée près de la frontière avec le Burkina Faso, était affiliée à Al-Qaïda. Cette opération aurait permis de déjouer une attaque imminente et de saisir des armes et du matériel, affirme l'armée française. Une autre serait en cours, visant cette fois le groupe État islamique au Grand Sahara depuis un mois, mobilisant 3000 soldats et dont le bilan devrait être connu dans les jours à venir. Nous parlons santé dans cette édition. 5 enfants ivoiriens ont été opérés du cœur en Israël, souffrant de malformations cardiaques congénitales. Ils ont été pris en charge à l'hôpital Wilson de Holon, dans le centre du pays, par l'intermédiaire de l'association israélienne Save et Children's Earth. Ils sont arrivés d'Abidjan il y a une dizaine de jours. D'abord placés en quatorzaine à cause de la pandémie du Covid-19, ce groupe d'enfants, accompagné de leur mère, peut désormais être pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital Wolfson de Houlon. Vous êtes notre premier groupe de Côte d'Ivoire et nous sommes enchantés de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons procéder à vos admissions et nous allons réaliser plusieurs examens. Prise de sang, électrocardiogramme et enfin une échographie. Âgés de 1 à 7 ans, ces enfants sont tous atteints d'une malformation cardiaque congénitale. Pour leur famille, ce voyage en Israël est synonyme d'espoir. Je suis de cardiologie à Abidjan. On nous a dit qu'il avait un problème de trou dans le cœur, le CIV. On ne peut pas l'opérer en Côte d'Ivoire. Il fallait forcément venir dans les pays développés pour faire l'opération. Un voyage et une prise en charge médicale totale rendue possible par Save the Children's Heart. Grâce à cette ONG israélienne créée il y a 25 ans, plus de 5000 enfants de 62 pays ont pu être sauvés d'une mort certaine. Notre but, c'est de faire venir en Israël des enfants atteints de maladies cardiaques pour les sauver, peu importe où ils se trouvent. À Save the Children's Heart, nous croyons que n'importe quel enfant, peu importe d'où il vient, sa couleur de peau ou sa religion, doit pouvoir se faire soigner et doit pouvoir vivre comme tout le monde. Quand on nous a dit qu'on ne peut pas l'opérer dans notre pays, vraiment, nous étions bouleversés, nous étions vraiment tristes. La Côte d'Ivoire est en effet un pays en voie de développement de 26 millions d'habitants. L'accès aux soins de santé y est difficile, les infrastructures médicales sont peu nombreuses, tout comme les effectifs et le matériel. Pour ces mamans, pouvoir soigner leur enfant en Israël est un cadeau tombé du ciel. Il a vraiment une bénédiction divine parce que c'est la terre bénie, donc je suis confiant. Assurée, je suis très optimiste, très optimiste. Je suis rassurée et je rends gloire à Dieu. Totalement confiance à la médecine israélienne. Nous espérons que tout se passera bien pour eux, pour qu'ils puissent retourner en Côte d'Ivoire en bonne santé le plus rapidement possible. Ces prochains jours, Zainab, Mia, Brian, Aaron et Prunel bénéficieront donc d'une intervention chirurgicale et resteront près de 2 mois en Israël en observation, avant de repartir chez eux en parfaite santé. Crise économique à travers le monde, les montres suisses se mettent donc à l'heure chinoise. Les exportations de montres suisses résistent à la crise grâce au dynamisme du marché chinois. Comme tous les secteurs économiques, l'industrie horlogère suisse est touchée par la crise sanitaire. Pour le 8e mois consécutif, le volume des exportations est en baisse par rapport à l'an dernier, moins 12%. Mais la chute commence à s'atténuer et surtout, la consommation redémarre nettement sur le marché chinois, notamment pour les montres de luxe. Les consommateurs chinois représentent environ la moitié de la consommation de l'industrie du luxe. Les clients chinois ne voyagent plus et je crains qu'il en soit ainsi pendant encore 6 mois ou 1 an. L'enjeu, c'est donc de gagner ou regagner une clientèle nationale, faire en sorte que les Français achètent en France, les Anglais en Angleterre, les Américains aux États-Unis et bien sûr les Chinois en Chine.
parce que c'est désormais en Chine que les Chinois achètent et non plus à l'étranger comme c'était le cas avant la pandémie. Avant la pandémie, quand on vendait une montre à un Chinois en Chine, on en vendait quatre à des touristes chinois à l'étranger. Au-delà des montres, c'est tout le secteur du luxe qui est tiré par le marché chinois. Les millions de millionnaires chinois font leurs emplettes dans les boutiques de marque à Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Mais aussi, et c'est une tendance lourde, ils achètent en ligne. Cette année, un tiers des achats de luxe en Chine aura été effectué sur Internet, contre seulement 10% l'an dernier. Je vous l'annonçais en titre, le peuple américain était dans les bureaux de vote hier mardi pour choisir leur président. Actuellement, l'heure est au dépouillement et Donald Trump compte déjà contester les résultats s'il n'est pas élu. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Djibo. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver votre télévision, la télévision de la famille, sur le satellite. Il suffit tout simplement de lancer une recherche à travers votre décodeur TNT habituel. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez reçus. Bonsoir chez vous.